Frédéric Becbédé était l'invité de l'émission En aparté, jeudi 2 novembre 2023 pour faire la promotion de son nouveau livre. Au début de l'émission, le célèbre écrivain s'est montré particulièrement surpris par une question intime posée par Nathalie Lévy. Frédéric Becbédé fait la promotion de son livre intitulé « Dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui ». Jeudi 2 novembre 2023, il était ainsi sur le plateau d'En aparté pour répondre aux questions de Nathalie Lévy. Au début de l'émission, la journaliste a voulu savoir si son invité ronflait ou parlait la nuit. Je grince des dents, je bouffe mes dents, si est-ce très très mauvais. Je ne parle pas. Je crois que je ronfle un peu, si est-ce ce que me dit mon fils qui a 5 ans. Et la vérité sort de sa bouche. Mais sinon je me tiens assez bien dans un lit je crois, a-t-il ainsi répondu en toute franchise pensant mettre un terme à ce sujet. Seulement, Nathalie Lévy a eu envie d'en savoir un peu plus sur ses habitudes au moment de se coucher. Ainsi, elle lui a demandé s'il dormait nu, en pyjama ou en caleçon. Une question qui a laissé sans voix Frédéric Becbédé. Ce qui est amusant si est-il que je publie un livre de 600 pages sur 300 écrivains et la question si est-il de savoir si je dors nu ou en pyjama, a-t-il ainsi réagi en rigolant avant de répondre sérieusement à cette question intime. Frédéric Becbédé, pendant longtemps, je dormais nu pendant longtemps, je dormais nu. Mais récemment, mon épouse m'a offert un pyjama. Je me suis dit, que dois-je en déduire? Est-ce que finalement, offrir un pyjama à son mari ce n'est pas un message? Que l'on est entré dans une nouvelle phase. A-t-il déclaré dans un premier temps avant donc d'assurer dormir, aujourd'hui, en pyjama. J'adore ça, si est-il très agréable le pyjama. Et puis si est-il très élégant. De son côté, la journaliste lui a assuré que si est-il également beaucoup mieux de dormir en pyjama puisque ça empêchait de ressentir les courants d'air. I just need